Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Emmanuel Fernandez pour le groupe France Insoumise. Merci. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Dans un tweet hier, en fin d'après-midi, vous souhaitiez que nous soyons à la hauteur des Français qui nous ont élus et du débat démocratique qu'ils attendent. Eh bien, voici une occasion de prouver que vous l'êtes. Madame Borne, pouvez-vous affirmer ici que votre projet de réforme des retraites propose une pension minimale à 1200 euros pour tous, et si tel n'est pas le cas, nous dire combien de personnes seraient concernées? Il s'agit d'un budget rectificatif de la sécurité sociale. Vous devez savoir combien de retraités toucheraient les 1200 euros. Publiez vos chiffres cachés. Le 11 janvier, votre porte-parole, Olivier Véran, déclarait 2 millions de retraités actuels verront leur retraite majorée à 1200 euros brut. Confirmez-vous ce chiffre. Le 6 février, votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonçait la retraite minimum à 1200 euros, y compris pour celles et ceux qui sont déjà à la retraite. Madame Schiappa, messieurs Attal et Riester et j'en passe, tous membres de votre gouvernement, tous ont colporté le même mensonge, ainsi que nombre de députés macronistes. Oui, vous mentez, vous dissimulez. La vérité, c'est celle qu'a clairement expliqué l'économiste Michael Zemmour. Il n'y aura pas de pension minimale garantie à 1200 euros, y compris pour les carrières complètes. La réalité, c'est celle décrite par les économistes de l'Institut des politiques publiques. Moins de 10% des nouveaux retraités sont potentiellement concernés par l'augmentation maximale de 100 euros permettant d'approcher les 1200 euros. Et concernant les retraités actuels, les trois quarts ne seraient pas concernés par la revalorisation. Alors, cessez les mensonges pour faire avaler un projet injuste. Publiez vos chiffres cachés. Dites-nous combien de personnes toucheraient les 1200 euros. Soyez, comme vous le demandez, à la hauteur du débat démocratique que le pays attend.